ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Serviteurs d'Allah, mes frères, mes sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes arrivés à expliquer aujourd'hui, inshallah, Sourate Al-Qadr. C'est la 97e sourate dans l'organisation du Mushaf. Et c'est une sourate pré-égyrienne. C'est la 25e sourate à avoir été révélée du Coran. Cette sourate où Allah tabaraka wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dans le sens des versets, Allah tabarak wa ta'ala dit: Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de l'Qadr. Nous, on voit plusieurs fois Inna qui est utilisé dans le Coran. On peut le traduire en français par « nous ». Et « inna » en arabe, il peut venir dans deux sens. Ou bien il vient dans le fait du pluriel « nous » ou pour montrer la grandeur et la valeur. Ça existe même ça en français. Quand les rois, ils parlaient, ils disaient « nous avons décidé, nous faisons ». Ici, c'est quoi qu'Allah Ta'ala a révélé ? Celui qui l'a fait descendre, c'est quoi ? C'est le Coran. Elle aussi, il a rapporté l'ijma', le consensus des savants sur le fait que ici, al-damir, dans inna anzalnahu, nous l'avons fait descendre. C'est quoi l'avons fait, le L apostrophe là? C'est le Coran. Et inna, nous, c'est bima'na at-ta'zim. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah a dit dans d'autres versets, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui nous chargeons de le protéger. Dans d'autres endroits du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala montre bien que c'est lui seul qui a révélé le Coran. Quand Allah ta'ala a dit, Allah a descendu la meilleure parole, un livre où il y a des versets qui se ressemblent et qui se répètent. Naam. Pourquoi je parle de Inna, nous ? Certains innovateurs, ceux qui ont dit bi-khalqir Qur'an, que le Qur'an il a été créé, ils vont dire ici inna bi-ma'na al-jama'. C'est dans le sens le pluriel. Et par cela, ils veulent quoi ? Démentir le fait que le Qur'an c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets s'expliquent les uns les autres. On voit dans le verset qu'on a dit tout à l'heure, et qu'en langue arabe, inna il est utilisé dans le sens nous, al-ta'zim, pas al-jama', pas le fait que ce soit le pluriel. Naam.
كذلك dans d'autres versets, Allah Ta'ala il a déjà utilisé cette manière. Nous t'avons certes donné Al-Kawthar. Nous avons certes envoyé Nuh. Nous faisons certes vivre et mourir. Donc là, tout, dans tous ces versets, on voit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala utilise Inna dans le sens la valeur. Naam. Quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit nous l'avons fait, certes fait descendre le Coran, Laylat al-Qadr. La nuit de l'Qadr. Qadr, on va le traduire après. Quand Allah Ta'ala dit qu'il a fait descendre le Coran la nuit de l'Qadr, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que le Coran en entier a été révélé la nuit de l'Qadr? Est-ce que cela veut dire qu'il est descendu en entier la nuit de l'Qadr? Les savants ont expliqué cela, barakallahu fikum. Que quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Allah Ta'ala l'a fait descendre de l'Lawh al-Mahfouz, des tablettes gardées, vers le ciel le plus bas, la nuit de l'Qadr. La nuit de l'Qadr en entier. Puis après cela, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les 23 années de sa mission. Alayhi salatu wa sallam, séparément et dans des situations disparates. Donc, c'est-à-dire il est descendu la nuit de l'Qadr de l'Lawh al-Mahfouz, des tablettes gardées, jusqu'au ciel le plus bas. Puis, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les différentes situations, pendant 23 ans. Tayyib. Là aussi, il y a une précision à apporter qui est importante. On va dire, comment il descend de l'Lawh al-Mahfouz? Il vient des tablettes gardées, donc ça veut dire quoi? Comme l'Asha'ira, ils disent, ou certains, que c'est Jibril qui a parlé avec le Coran, il a pris des tablettes gardées. Ils ne disent pas que c'est la parole d'Allah. Les tablettes gardées, c'est quoi, barakallahu fikum? C'est les tablettes où Allah, tabaraka wa ta'ala, il a demandé au qalam, à la plume, d'écrire toute chose. Quand Allah, tabaraka wa ta'ala, a créé le qalam, la plume, il lui a dit, uktub, écris. La plume a parlé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a dit, « Mada aktub ?» Qu'est-ce que j'écris? Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, « Écris tout ce qui va être jusqu'au jour dernier. » Donc, la plume a écrit tout ce qui va être. Parmi ce qui va se passer, c'est que le Coran va être révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes périodes de ces 23 années, n'est-ce pas? Donc, c'était écrit. Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala a voulu révéler ces versets-là au prophète alayhi salatu wassalam, Allah a parlé, c'est lui qui a dit le Coran, Jibril l'a entendu alayhi salam et il l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wadih? C'était écrit dans l'Lawh al-Mahfouz, c'est normal. C'était écrit tout ce qui allait se passer. Et c'est encore écrit. Mais ça ne veut pas dire par là que Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas dit. Quand il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est après qu'Allah l'ait dit. Allah ta'ala a parlé. Ça fait partie des sifats, des caractéristiques, des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ceux qui disent qu'Allah il est muet. Pour eux, ils adorent un Seigneur qui n'est pas capable de parler. Et le fait de parler, ça fait partie des qualités de la perfection. Mais on sait que rien ne ressemble à Allah. Ce n'est pas la parole comme la parole d'une créature. Il n'y a rien qui lui est semblable, et c'est lui l'entendant et le voyant. Quand on parle, barakallahu fikum, quand on nomme une qualité, un nom, une qualité d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut toujours avoir à l'esprit certaines règles. Premièrement, on l'affirme comme Allah ta'ala l'a affirmé, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. Deuxièmement, on y croit. On l'affirme, on y croit. On peut le mettre dans le même point. Sans demander comment, sans rejeter son sens, sans l'interpréter ou falsifier, et sans dire qu'il est semblable à une qualité parmi les qualités et les caractéristiques des créatures. À chaque fois qu'on va entendre parler des qualités et des noms d'Allah, il faut avoir ces règles toujours à l'esprit. Et c'est comme ça la croyance des gens de la Sunna et du consensus concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, les ulama, comme je vous ai dit, ils ont dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous l'avons révélé en parlant du Coran, la nuit de l'Qadr. La majorité des savants ont dit que ça veut dire qu'il a été descendu des tablettes gardées vers le ciel le plus bas, la nuit de l'Qadr. La nuit de l'Qadr.
Et ça, c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas aussi. Radiallahu anhu an abi. Et d'autres ont dit, non, il a été révélé aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit du Qadr. L'imam ibn Hajar al-Asqalani et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah ont réuni entre ces deux paroles. Ils ont dit, effectivement, il a été descendu jumlatan wahida, d'une seule fois, en entier, des tablettes gardées vers le ciel le plus bas, laylat al-Qadr, la nuit du Qadr. Mais la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation aussi, c'est aussi la nuit du Qadr. Donc, en cela, ils ont réuni entre les deux paroles, et Inch'Allah, ceci est la vérité. Non. On a descendu le Coran la nuit du Qadr. Laylatul Qadr, c'est quand? Est-ce que c'est dans Ramadan déjà? Qui t'a dit que c'est dans Ramadan? Donne-moi une preuve. La preuve est dans le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois du Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit, on l'a révélé la nuit du Qadr. Donc déjà, ce qu'on est sûr, c'est que la nuit du Qadr, c'est où? C'est pendant le mois de Ramadan. Tayyib. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit aussi dans un autre verset, dans Surat al-Dukhan, la fumée, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, nous l'avons certes descendu dans une nuit bénie, nous sommes certes avertisseurs, c'est dans cette nuit que tout ordre, toute affaire sage est décidée et déterminée. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il y a plusieurs hadiths qui sont venus nous expliquer et nous diriger vers le fait de savoir quand est-ce qu'est la nuit du Qadr. Et on va voir cela. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam al-Bukhari, cherchez la nuit du Qadr dans les nuits impaires des dix derniers jours de Ramadan. Donc, au début, on savait que Laylat al-Qadr, c'est une nuit dans l'année. Après, avec le Coran, on a su que c'était pendant Ramadan. N'est-ce pas? Puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu nous dire qu'il fallait la chercher dans les nuits impaires des dix dernières nuits. Ou alors, il y a d'autres hadiths qui ne parlent pas d'abord des nuits impaires. Cherchez-la dans les dix dernières nuits de Ramadan. Donc, on sait qu'elle est dans les dix dernières nuits. Après, il y a eu encore plus de précision dans ce hadith qu'on vient de citer, de Bukhari. Cherchez-la dans les nuits impaires des dix dernières nuits de Ramadan. Les nuits impaires, qui peut me les citer des dix dernières nuits? C'est quelles? 21e nuit, 23e, 25e, 27e, 29e. D'accord? Tayyib. N'oubliez pas qu'en islam, les nuits commencent avant les journées. Les nuits commencent avant les journées. C'est pour ça que quand on annonce l'entrée de Ramadan, on commence la prière de Tarawih avant même d'avoir jeûné la journée. N'est-ce pas? Parce que la première nuit de Ramadan a commencé. Donc la 21e nuit, c'est la nuit qui vient après le 20e jour. Quand c'est le 20e jour de jeûne, quand le Maghreb arrive, le coucher du soleil arrive, ça y est, on est à la 21e nuit. Attention à ça. Naam. Tayyib. Donc on a su que c'était dans les dix dernières nuits de Ramadan et que c'est dans les nuits impaires des dix dernières nuits de Ramadan. Sur le point de Laylat al-Qadr, il y a eu beaucoup, beaucoup de divergences entre les savants. Beaucoup de paroles. Entre des gens qui ont dit que c'était... Laylat al-Qadr, elle n'existe plus, c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était, c'est passé, elle est venue, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on me l'a fait oublier, c'est-à-dire dans le sens, ça y est, elle n'existe plus. Mais en vérité, c'est arrivé entre certains musulmans de se disputer, et ça a été la cause, justement, de priver la Ummah de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui avait informé cette nuit-là, cette année-là, quelle nuit allait être Laylat al-Qadr. Exactement. Il était sorti pour informer les compagnons. Il a vu qu'il y avait une dispute, il l'a oublié. Il a dit, on m'avait informé de quelle nuit était Laylat al-Qadr et on me l'a fait oublier. Rufi'at, c'est-à-dire elle a été élevée. Donc certains savants ont compris par le fait qu'elle a été élevée, c'est que la dispute, elle a même été la cause qu'on soit privé de Laylat al-Qadr, elle n'existe plus. Et en vérité, Rufi'at ici, c'est dans le sens, sa connaissance exacte. Quelle nuit exactement, on ne le sait pas avec certitude. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de divergences. Mais alhamdoulilah, on a eu des indications. C'est dans les dix dernières nuits de Ramadan,
Et dans les nuits impaires de Ramadan. On va rentrer un peu plus dans le détail. Ça, c'était juste pour vous compreniez pourquoi il y a eu autant de divergences après, pour désigner quelle nuit c'était. S'il y avait un hadith clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aurait pas eu de discussion. Mais pourquoi justement il y a eu autant de discussions? C'est que justement, on a été privé de désigner clairement pourquoi? À cause du fait de la division. Donc quand la Ummah se divise après que les preuves évidentes l'ont été apportées, comme on a vu la semaine dernière dans Surat al-Bayyinah, une fois que les preuves évidentes elles viennent, une fois que la science elle vient, une fois que la vérité elle vient, là les gens se divisent. Et cette division, elle est madmouma, répréhensible. Pas comme certains disent, la divergence de ma communauté c'est une rahma. Ça c'est même pas un hadith, il est inexistant. Cette parole elle est inexistante, introuvable. Cheikh l'Albani il a dit, elle est introuvable. Je ne sais même pas ce qu'il l'a inventé. Et au contraire, tous les versets et les hadiths, ils prouvent que la divergence, c'est répréhensible. On ne doit pas la chercher. Mais c'est une chose qui va arriver. On ne peut pas y échapper. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté va se diviser en 73 sectes. C'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper, mais on ne doit pas la chercher. On ne doit pas faire les causes pour la mettre en pratique. On doit faire les causes pour unir les gens sur la vérité. Sur le Coran et la Sunna. Pas unir sur n'importe quoi. Non. Donc, Laylatul Qadr, on sait que c'est dans les 10 dernières nuits impaires de Ramadan. Les savants divergeaient sur quelle nuit c'était. Je vais vous dire quel est l'avis Allahu A'lam, le plus juste, et je vais vous donner les preuves de cela après. Ibn Kathir a rapporté de l'imam Malik et Al-Shafi'i et l'imam Ahmad que Laylatul Qadr, elle ne sort jamais des nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan, mais elle peut changer d'année en année. Une année, ça peut être la 21e nuit, une année, ça peut être la 23e, une année, ça peut être la 25e, une année, la 27e, une année, la 29e. Allahu A'lam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite pieuse et la retraite spirituelle les 10 dernières nuits de Ramadan pour chercher Laylatul Qadr. Si c'était une nuit fixe, pourquoi il va rester les 10 dernières nuits pour la chercher? C'est clair? Donc, Ibn Kathir, il rapporte cela des 3 imams. Et lui-même, il dit, et c'est le plus proche de la vérité. Non, c'est ce qui ressemble le plus à la vérité. Sur quoi on peut se baser pour dire cela? Premièrement, sur un hadith qui est rapporté par l'imam Suyuti dans le Jami' al-Sarir et que l'imam al-Albani, rahimahullah, a classifié dans Sahih al-Jami' et qu'il a dit qu'il était un hadith acceptable. Le hadith de Wathila, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les feuillets de Ibrahim ont été révélés la première nuit de Ramadan. Et la Torah a été révélée alors que 6 jours sont passés de Ramadan. Et Zabour, c'est les psaumes, ont été révélés au 12e jour de Ramadan, ou 12e nuit. Et l'évangile, les évangiles ça n'existe pas, ça c'est chez les chrétiens. Nous on dit l'évangile, l'injil, a été révélé alors que 18 jours de Ramadan sont passés. Et le Coran a été révélé alors que 24 jours de Ramadan ont été passés. Donc ça, dans ce hadith, on comprend qu'il a été révélé quand? La 25e nuit. Wadih? Donc ce hadith, il est Hassan, il dit que le Coran a été révélé vers la 25e nuit. Tayyib. On reste sur ça. On prend un autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a fait voir la nuit de l'Qadr dans une nuit impaire. Et je vais me prosterner le matin après cette nuit-là dans de l'eau et dans la boue. Et Abu Sa'id al-Khudri, il a dit le matin de après la 21e nuit, alors qu'il avait prié toute la nuit jusqu'au matin, il a plu. Et la pluie a pénétré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'ai vu la terre et l'eau sur le front et le nez du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était la 21e nuit de Ramadan. Il est rapporté par Muslim ce hadith. Dans une autre version, qui est en fait la même histoire de se prosterner dans l'eau, il est dit la 23e nuit de Ramadan. Naam. Anas al-Juhani, il a dit aussi, cherchez les lettres al-Qadr, la 23e nuit de Ramadan, après avoir dit ce hadith, où il se prosterne dans l'eau et la terre la 23e nuit. Naam. Dans l'autre hadith rapporté par l'imam Muslim, où Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, il dit, je jure par Allah, je sais quelle nuit est la nuit de Qadr. Il a dit, c'est la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier, c'est la 27e nuit de Ramadan.
Dans un autre hadith sahih de Muawiyah, radiallahu anhu, qui est dans Sahih al-Jami', il dit, c'est la dernière nuit de Ramadan. Donc vous comprenez pourquoi les savants ont divergé. Car il y a plusieurs textes véridiques des compagnons qui affirment des dates différentes. Mais en vérité, quand on regarde bien, cela veut dire que chacun en vérité a dit ce qu'il a vécu. Une année, il y en a, c'était la 27e nuit, une autre année, c'était la 23e nuit, une année, c'était la 25e nuit, une année, c'était la 21e nuit, une autre année, c'était la dernière nuit de Ramadan. Et il n'y a pas de problème entre cela. Ça reste dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est dans les nuits impaires, dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Et on a dit que cet avis, c'est l'avis de l'imam Malik, et de l'imam Shafi'i, et de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et c'est ce que Ibn Kathir aussi a vu, comme quoi c'est l'avis le plus juste. Naam. Wadih, inshallah. Donc voilà en ce qui concerne savoir quand est-ce qu'est la nuit de l'Qadr. Taïb. Wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Et qui t'informera qu'est-ce que la nuit de l'Qadr? La nuit de l'Qadr est mieux que 1000 mois. La nuit de l'Qadr, al-Qadr en arabe, ça peut vouloir dire deux choses. Al-Qadr, ça peut vouloir dire la valeur, l'honneur. Ou le qadr, ça peut vouloir dire la destinée. C'est pour ça que quand on traduit Laylatul Qadr, on peut le traduire par la nuit de la valeur ou la nuit de la destinée. Comment on peut le traduire par la nuit de la valeur? Car Allah tabaraka wa ta'ala lui-même le dit. Et qui t'informera ce que la nuit de l'Qadr? Et on a dit auparavant que quand il dit wama adraka, hein, et qui t'informera, Allah ta'ala directement après il t'informe ce que cela veut dire. Alors que quand il utilise l'usloub wama yudrika, il ne répond pas. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Il n'a pas répondu. Et qui te dira? Et qu'est-ce que tu en sais? Alors que quand tu l'utilises, وَمَا أَدْرَاكَ, Allah Ta'ala l'explique. Là, pareil. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, Allah Ta'ala répond. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Il te dit c'est quoi لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Donc si on prend le verset qui explique c'est quoi لَيْلَةُ الْقَدْرِ, là c'est la valeur. Car Laylatul Qadr, il a dit, c'est mieux que 1000 mois. Donc, il parle ici de la valeur. C'est que la nuit de l'Qadr, elle a plus de valeur que 1000 mois d'adoration sans avoir dans ces 1000 mois une nuit de Qadr. Ça fait plus de 83 ans. Plus que ce qu'un homme vit en général. Pour montrer, subhanallah, la valeur de cette nuit-là. Tellement Allah Ta'ala lui a donné de la valeur, c'est la nuit où il a descendu le Coran. C'est la nuit où les premiers versets du Coran ils ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez-vous l'importance de cette nuit. Wadih ? Ça c'est quand on prend le sens Laylatul Qadr, c'est la nuit de la valeur. La nuit de Qadr c'est aussi la nuit de la destinée. Car Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Ad-Dukhan, il dit, on a certes révélé le Coran dans une nuit bénie, car certes nous sommes avertisseurs, c'est cette nuit-là que toute affaire sage est décidée. La nuit de l'Qadr, il y a la destinée d'une année qui est décidée. Ce qui se passe en une année, c'est décidé. C'est pour ça qu'on dit la nuit du destin. Wadih ? Tayyib. Quelqu'un va dire, comment ça c'est destiné cette nuit-là ? C'était pas destiné auparavant ? Si, c'était destiné fil lawh al mahfouz. Donc il y a plusieurs étapes de la destinée. Mais chaque destinée ne contredit pas la destinée générale qui est dans lawh al mahfouz, qui est dans les tablettes gardées. Wadih ? La destinée qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit à la plume d'écrire 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre et de toutes choses. Puis, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il y a la destinée liée à chacun de sa vie. Sa vie, sa subsistance, est-ce que c'est un garçon ou une fille, et est-ce qu'il va être heureux ou malheureux, c'est-à-dire un habitant du paradis ou de l'enfer. Mais cette destinée-là qui lui est écrite, qui lui est donnée, quand l'âme lui est insufflée à 4 mois, elle est en concordance totale avec ce qu'il y a dans le lawh al-mahfouz, dans les tablettes gardées. Il n'y a pas de souci. De même, il y a une destinée annuelle. Chaque année, la nuit de l'Qadr, il y a la destinée pour cette année, ce qui se passe dans toute cette année. Et elle est en concordance totale avec ce qu'il y a dans les tablettes gardées. Donc il n'y a pas de contradiction avec tout cela. C'est pour affirmer, ou certains ils disent que la destinée annuelle, elle vient avec plus de détails que ce qu'il y a dans la destinée générale, ou le contraire, quoi qu'il en soit, c'est concordant 100%. Wadih, inshallah. Non, mais Allah tabaraka wa ta'ala, de toute façon, il savait déjà, avant de créer quoi que ce soit, avant même de créer la plume, et de lui dire d'écrire tout ce qui allait se passer, en général ou en détail. Et les habitants du paradis et les habitants de l'enfer, avec leur nom et les places qu'ils auront, et le nombre de hura'in qu'ils auront, ou le nombre de châtiments qu'ils auront en enfer. Tout ça, il le sait déjà, subhanahu wa ta'ala. Non. Taïeb, donc, Laylatul Qadr, on peut le traduire par la nuit du destin,
ou la nuit de la valeur, et les deux, Inch'Allah, sont justes. Contrairement à ceux qui disent que c'est la 15e nuit de Sha'ban qu'il y a la destinée. Ça, ce n'est pas juste. Où les gens, ils font un qiyam mubtada, innover, soi-disant, en pensant que cette nuit-là, c'est la destinée pour toute l'année. Alors que la destinée, elle est la nuit, Laylatul Qadr, et alhamdulillah, il y a un qiyam, une veillée légiférée cette nuit-là, c'est les veillées des nuits de Ramadan, alhamdulillah. Na'am. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ. Durant celle-ci, durant cette nuit-là, descendent les anges et l'esprit. C'est qui Ruh? C'est Jibril, alayhi salatu wassalam. Donc tellement cette nuit-là, c'est une nuit de valeur, Jibril, il descend cette nuit-là. Vous imaginez? بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. Est-ce que les anges, ils peuvent descendre de leur volonté? بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. Par la permission de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, مِنْ كُلِّ أَمْرِ. Pour tout amr. Amr aussi, je ne vais pas le traduire, parce qu'on va d'abord expliquer. Amr, c'est le mufrad de umur et le mufrad de awamir. Je reviens. Amr, c'est le singulier de deux mots en arabe, de deux pluriels en arabe. Umur, les affaires, les choses qui se passent, wa awamir, les ordres. Donc l'amr, ça peut vouloir dire l'ordre, comme ça peut vouloir dire les affaires. Wadih. Et ce qui apparaît ici, c'est que ça englobe les deux. Les affaires et l'ordre. Car une affaire, elle ne peut se passer que par l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils viennent avec les ordres d'Allah qui sont les affaires, qui sont pour les gens, ce qui est leur destinée, toutes leurs affaires et tout ce qu'ils vont avoir. Naam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'fajr. Donc, Laylatul Qadr, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit Layla, c'est la nuit. La nuit en islam, elle commence au Maghrib. Donc Laylatul Qadr, c'est à partir du coucher du soleil, jusqu'à quand? Jusqu'au lever du Fajr, pas le lever du soleil. Jusqu'au lever du crépuscule, de l'aube, jusqu'à la prière de l'Fajr. Wadih. Tout ce moment-là, les anges descendent avec la paix, et c'est une nuit de paix, où il n'y a pas de mal, alhamdulillah. Certains ont dit que les anges passent le salam aux croyants. Si c'est une nuit de paix et de douceur et de bien, parmi le bien et la paix, c'est le fait qu'on nous passe salam. Donc, ça n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre. Tayyib. Pour finir, concernant Laylatul Qadr, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a descendu la nuit, non le jour. N'est-ce pas? Donc, ça montre que la nuit, elle a une valeur spécifique en islam, plus que le jour. N'est-ce pas? Et on va voir ça dans d'autres preuves. On voit dans le Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala a dit, gloire et pureté à celui qui a fait faire le voyage à son serviteur, Laylan, de nuit. Donc le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire l'ascension, c'était quand? La nuit. Le Coran, il a été descendu et révélé, la nuit. Naam. La nuit où Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et une partie de la nuit, fait tahajjud, la prière de nuit, bihi, c'est-à-dire part de cette nuit-là, nafilatan lak, comme œuvre surrogatoire pour toi. Donc il a dit la nuit. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi min al-layli, et par une partie de la nuit, glorifie-le, et après tes prosternations. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi, certes, le réveil, quand on se réveille après le sommeil de la nuit, dans la nuit, elle a plus d'impact, et c'est une parole plus juste, c'est-à-dire c'est une parole plus droite et plus forte. Donc la dua dans la nuit, elle est plus importante. Et Allah tabaraka wa ta'ala a parlé en parlant de ses serviteurs, puis elle dit, ils ne dormaient de la nuit que très peu. N'est-ce pas? Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand c'est le dernier tiers de la nuit, Allah ta'ala descend au ciel le plus bas et il demande. Est-ce qu'il y a une personne qui me demande pardon que je lui pardonne? Est-ce que quelqu'un a une requête que je lui donne? C'est quand ça? C'est aussi la nuit. Tout cela prouve que la nuit, elle a plus de valeur que le jour. Car la nuit, c'est un moment où on est coupé de nos affaires. Coupé des créatures, coupé des gens, coupé des soucis. Et on est dans l'obscurité, c'est plus proche de la crainte et de l'humilité. Et du moment de se rabaisser, de s'avilir et de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et de l'implorer. Voilà pourquoi la nuit a été, barakallahu fikum, préférée. Mais préférée pourquoi? Pas pour faire la fête, pas pour perdre son temps, pas pour traîner. Préférée pour être seul, pour profiter de la nuit, car c'est le moment où on est seul. Les gens pieux, quand venait la nuit,
Ils respiraient, ils étaient contents. Ils disaient, Alhamdulillah, je peux être seul entre moi et mon Seigneur. Toute la journée avec les gens, ils te font mal à la tête. Chacun avec ses requêtes, chacun avec les droits. Tu as des droits à donner à ta femme, à tes enfants, au travail, les voisins, les amis, les problèmes, les soucis. La nuit vient, tu lèves les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te lèves, tu récites le Coran, tu t'inclines, tu te prosternes, tu pleures. Tu demandes à Allah de régler tes affaires. Alors que c'est le moment, justement, ce dernier tiers, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon, que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui a une requête que je lui donne? Pendant ce moment-là, où on dort, on ronfle, ou bien on est occupé à d'autres choses. Il y a des gens, ils sont devant des jeux vidéo toute la nuit. Et d'autres qui passent la nuit dans le haram, dans l'illicite, dans des endroits illicites, dans des actes illicites. Le moment où Allah descend au ciel le plus bas pour pardonner aux gens, lui, il est en train de faire ce qui met en colère Allah. Nas'Allah salamata wa al-afiyah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, quand Ramadan est arrivé, Jibril est venu le voir. Ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Amin, Amin, Amin ». Ils ont dit « Oh, messager d'Allah, on t'a entendu dire « Amin ». Il a dit « Oui, Jibril est venu me voir. Il m'a dit « Le mois de Ramadan est entré ». Celui qui ne se fait pas pardonner dans ce mois-là, qu'Allah l'éloigne, qu'il rentre au feu. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Amin, Amin, Amin ». C'est-à-dire, si ce mois-ci, tu n'as pas réussi à te faire pardonner, quand tu vas réussir à te faire pardonner? Le Ramadan, c'est le mois du repentir. C'est le mois du retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens, ils laissent passer Ramadan et Ramadan, quand Ramadan il arrive, il dit « Ah, c'est que le début, je vais faire l'effort après ». Quand il est au milieu, ah, je suis fatigué, j'ai trop fait l'effort au milieu. Quand c'est la fin, c'est trop tard. Il a laissé passer Ramadan, il n'a rien profité. Vous voulez profiter de Ramadan? Le mois de Sha'ban, normalement, je crois qu'il rentre demain ou après-demain. Premièrement, on prépare Ramadan en préparant bien l'entrée de Ramadan en jeûnant le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait presque tout le mois de Sha'ban, sauf très peu de jours. Surtout les 15 premiers jours. Comme pour les prières. Quelqu'un qui veut faire une bonne prière, il fait des prières surrogatoires avant, il se prépare. Après, il se lève dans la prière obligatoire, il va la faire concentrer, il va la faire bien. Tu veux faire un bon jeûne de Ramadan? Commence. Sha'ban, il arrive, commence à jeûner. Commence à te repentir. Commence à faire les comptes sur toi-même. Commence à te préparer à profiter au maximum du mois de Ramadan. À t'éloigner des futilités. À t'éloigner d'écouter des paroles malsaines. De participer dans des choses qui sont nuisibles pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prépare-toi dès maintenant. Pour que le Ramadan, ce soit un bon entraînement pour toi, pour toute la vie, pour toute l'année. Ramadan, c'est une école pour l'année. Et c'est une école pour la vie. C'est un entraînement où on délaisse des choses qui sont à la base licites. Pour s'entraîner après Ramadan à délaisser les choses illicites. Allah Ta'ala, il l'a dit. Le jeûne, il a été instauré pour atteindre la taqwa. C'est quoi la taqwa, barakallahu fikum? C'est le fait de faire ce qu'Allah a ordonné avec une lumière et une clairvoyance venant d'Allah, qui est la science, en espérant la récompense d'Allah. Et de délaisser ce qu'Allah a interdit avec une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire la science, en craignant le châtiment d'Allah. C'est ça la taqwa. Faire les obligations avec science, en espérant la récompense d'Allah, et délaisser les interdits avec science, en craignant la colère et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, c'est une des meilleures adorations. Dans le hadith al-Qudsi, Allah Ta'ala dit « Sawmu li wa ana azibi ». Le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Personne ne connaît la récompense du jeûne. Allah seul connaît. Car tout le monde peut mentir. Je jeûne. En cachette, il mange. Est-ce que quelqu'un peut savoir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré quel est le vrai jeûne. Il y en a qui gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. Et il y en a qui gagnent de leur prière de nuit que la fatigue et la veille. Non. Celui qui jeûne et qui ne délaisse pas le parler mensonger, qui ne laisse pas l'interdit, qui ne laisse pas la médisance, qui ne laisse pas d'écouter le haram, la musique, la médisance, les calomnies, celui-là, sa récompense, elle n'est pas complète. On ne va pas dire que ça ne sert à rien. Il faut qu'il jeûne. S'il délaisse le jeûne, c'est un péché beaucoup plus grave. Mais il n'a pas atteint vraiment l'objectif ni la récompense du jeûne. Si tu jeûnes, fais en sorte que tes yeux jeûnent et qu'ils ne regardent que le halal. Si tu jeûnes, fais en sorte que ta langue jeûne et qu'elle ne parle que dans le halal. Si tu jeûnes, fais en sorte que tes oreilles jeûnent et qu'elles n'écoutent que le halal. Si tu jeûnes, fais en sorte que tes mains jeûnent et qu'elles ne touchent que le halal et que d'une manière halal. Si tu jeûnes, fais en sorte que tes pieds jeûnent et qu'ils ne vont que dans des endroits halal. Voilà le jeûne, comment il doit être.
Et le jeûne, c'est un bouclier contre l'enfer, pour se préserver du feu de l'enfer. Il y a une porte spéciale par laquelle les jeûneurs vont entrer au paradis. Quand les jeûneurs rentrent par là, ils se ferment, ça y est, plus personne ne peut rentrer par là. Fabarakallahu fikum, préparons ce mois de Ramadan au mieux, préparons ce mois de Ramadan en jeûnant le mois de Sha'ban, en se repentant de nos péchés, en se faisant un programme de comment profiter pendant le mois de Ramadan des adorations, des assises d'apprentissage de notre religion, surtout du Coran, c'est le mois du Coran. C'est le mois où on lit le Coran, on essaie de comprendre le Coran, on essaie de comprendre les règles du Coran, de les mettre en pratique. Fabarakallahu fikum, faites l'effort, Inch'Allah.